Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Polyphonie. Aujourd'hui, nous allons osciller entre douceur et rock'n'roll. En effet, nous allons naviguer pendant une heure sur l'antenne de RVL dans le répertoire d'un rocker au cœur tendre. Un guitariste, chanteur, né en avril 55 dans l'Ain, à Nantua précisément. Il a démarré sa carrière en groupe tout d'abord avec Selomina, qu'il fonde en 1975 avec ses amis le bassiste Daniel Roux et le batteur Richard Kolinka. Là, vous commencez à avoir des pistes. Si je vous précise qu'en 1976, le groupe se transforme et s'étoffe pour devenir Téléphone, là, ça se précise. Mais duquel des deux membres de ce groupe ayant fait une carrière solo par la suite allons-nous explorer le répertoire revisité à quatre voix? Eh bien, c'est Jean-Louis Aubert. On commence sans plus attendre avec un énorme succès de la carrière solo du chanteur, un titre figurant sur l'album H, sorti en 1992, titre qui appelle au réveil, à la prise de conscience, le tout sans véritable slogan. On écoute tout de suite dans une version harmonisée à quatre voix, Temps à nouveau. Thank you.
peu de douceur maintenant avec un extrait de l'album Rock Éclair sorti en 2010. Album empreint d'humanité qui expose la vie telle que la voit son auteur. Dans le titre que je vous propose, on retrouve, comme sur tout cet album, ce qu'est la vertu essentielle de la musique. Faire du bien et plus précisément l'urgence de vivre et d'aimer. Dans « Aimer ceux qui s'enfuient », on l'écoute tout de suite. Répertoire de Jean-Louis Aubert dit que bien sûr on va entendre sa voix. C'est maintenant avec un autre titre issu du même album, Rock Éclair, titre qui fait écho à un titre du groupe Téléphone, c'était Au cœur de la nuit. La chanson que nous allons écouter et qui est devenue culte est un hommage à son ami Olivier Caudron, dit Olive, décédé en 2006. Je vous laisse en compagnie de Jean-Louis Aubert et des 800 choristes qui vous interprètent Alter Ego. Toujours là, mon ange.
sûrement là-bas. Sûrement là-bas. Sûrement là-bas. Téléphone pour continuer notre programme. Vous êtes toujours sur RVL dans Polyphonie avec Dany. Souvenez-vous de ce clip en noir et blanc dans lequel on voit un enfant suivre une rame de métro parisien, une vidéo plutôt tournée vers l'espoir sous les accents rock de la mélodie. C'est le titre éponyme de l'album sorti en 1984. On écoute une version avec une introduction qui va peut-être vous surprendre. C'est parti, je vous emmène vers un autre monde.
nous allons revenir à l'artiste qui était à l'honneur dans le numéro 3 de Polyphonie au mois de décembre. Souvenez-vous, c'était Barbara. En effet, le titre suivant a été composé par la grande dame qui était très proche de Jean-Louis Aubert et qui a beaucoup compté pour lui. C'est en 1996 que les deux artistes travaillent ensemble sur deux titres. Jean-Louis Aubert avait un bout de papier dans la poche avec des paroles, Barbara une mélodie qui lui trottait dans la tête depuis quelques jours. Elle s'est installée au piano, il a chanté et ainsi est né Vivant Poème. Ce titre se trouve d'ailleurs sur un des albums de chacun des deux artistes, mais ce n'est ni l'un ni l'autre que nous allons écouter maintenant. Là, vous vous dites, ce sont les 800 choristes. Eh bien, vous avez presque raison. Ils sont bien là, mais accompagnés par un artiste que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit de Féloche, qui nous interprète donc ce Vivant Poème. Va, ce monde je te le donne. Va, jamais n'abandonne. Vrai, qui n'est pas à l'image des rêves d'un enfant de ton âge. Je sais, le monde a des accents. Souvent, il nous montre les dents. Je l'aime comme eux, je t'aime et faudra bien que tu l'aimes. Tu en es le vivant poème. Le monde est un espoir, l'espoir jamais ne l'abandonne. Oui, le monde est notre histoire. De matin clair et de nuit noire, je sais, le monde a des armes qui parfois nous désarment, mais je l'aime comme eux et faudra bien que tu l'aimes. La vie est un poème que tu écriras toi-même. Pas. Ce monde va le voir. Va, jamais ne perds l'espoir. Oui, dans ce monde va te voir. Traverse, traverse les miroirs. Je sais que le monde a des dents. Comme nous, souvent il se défend. Mais il t'aime comme eux. Et faudra bien que tu l'aimes. La vie est un poème. Oui, c'est un long je t'aime. Un vivant poème que tu finiras toi-même. Tu es le vivant. Le vivant poème. Vous avez prêté l'oreille, vous avez entendu de la mandoline, c'est l'instrument de prédilection de Féloche. Je vous propose de le découvrir un peu plus à travers une de ses propres chansons. Qui sait, cela vous donnera peut-être envie d'aller en écouter un peu plus. Je vous propose tout de suite de découvrir Féloche avec Crocodile. On revient de loin, on revient changer, on revient de tout. On revient usé, on revient de loin, on revient changer, mais on ne revient pas des crocodiles.
souffle. Froid des machines, les pieds malins se sont perdus dans cette forêt que j'imagine peuplée d'étranges individus. On revient de loin, on revient changer, on revient de tout, on revient usé. On revient de loin, on revient changer, mais on ne revient pas des crocodiles. Je porte le fardeau des vieilles, pas une se transforme en fée. Depuis c'est pas demain la veille qu'on me reprendra à rêver. C'est pas ça l'étrange, Nicky, que toute cette histoire a commencé. Faudrait que je fasse le vide au moment d'expulser. On revient de loin, on revient changer, on revient de tout, on revient usé. On revient de loin, on revient changer, mais on ne revient pas des crocodiles. On revient de loin, on revient changer, mais on ne revient pas des crocodiles. Revenons maintenant à un grand standard de Téléphone, une chanson écrite par Jean-Louis Aubert. À l'origine, il avait écrit une nouvelle de science-fiction dans laquelle les hommes avaient un H tatoué dans le dos, à la fois appareillage technologique et symbole de leur statut social, le H évoquant la bombe H, mais en remplaçant hydrogène par humaine. L'impact de cette chanson est tel que le titre entrera immédiatement en tête des hit-parades et y restera classé pendant 53 semaines consécutives. Il demeure d'ailleurs la chanson culte de toute une génération. Il n'y a qu'à entendre la réaction du public. Pas de suspense, puisque vous avez forcément reconnu la bombe humaine.
un peu de légèreté, tout du moins en apparence, avec le titre à suivre. Une chanson inspirée des voyages de Jean-Louis Aubert à travers le monde. Il ramène des portraits qui sont de véritables reflets de société. Celui que je vous propose est celui d'une jeune fille qui dansait superbement au milieu d'une rue noire. D'après Jean-Louis Aubert lui-même, je cite, « Le fait qu'elle soit habillée en blanc alors que les immeubles étaient très baroques, en ruine, et elle, tout en blanc, ça faisait une impression de force et de vigueur. Dans sa manière de danser, on pouvait sentir une explosion politique, un ras-le-bol. » Fin de citation. Cette chanson est à la fois festive et révolutionnaire. C'est Alta Gracia. Continuez notre balade à travers le répertoire de Jean-Louis Aubert, je vous propose un titre sorti un an après la fin de Téléphone.
Avec son copain de toujours Richard Kolinka, Jean-Louis Aubert fonde le groupe Aubert & Co. Co avec K-O comme Kolinka et non pas C-O comme Corporation. Leur premier album s'intitule « Plâtre et ciment ». Les prémices d'écriture du titre suivant naissent sur un voilier à la Dominique. Le principal souvenir de Jean-Louis Aubert est bien des mômes qui vendent des fruits sur le bateau tout en chantant des reggae, suppliant les passagers de les emmener en France. Mais à quel prix quitter ce paradis? C'est la question posée dans Les Plages. Retrouvons un peu d'optimisme avec Jean-Louis Aubert lui-même dans le titre suivant. Nouvel extrait de l'album Rock Éclair, album écrit et joué quasiment en solitaire. Il est le reflet d'une période particulièrement sensible après l'accompagnement de son père au crépuscule de sa vie. Malgré tout l'optimisme qui est au cœur de cet opus, « Et demain sera parfait », en est l'exemple le plus évident.
Jean-Louis Aubert dit lui-même « Je me demande comment le chanteur peut mentir effrontément pour remonter le moral comme une sorte de version rock du Jeff de Brel. » Vous constaterez que le doute et l'ironie relativisent le ton positif de cette chanson, mais elle n'en reste pas moins un message sincère d'amour et d'espoir. On écoute tout de suite Jean-Louis Aubert et les 800 choristes avec « Demain sera parfait ». Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de peine. Je veux chanter et te baratiner, demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter sur les écrans de notre monde. Un texte qui n'a pas été écrit par Jean-Louis Aubert, mais par un homme aux multiples facettes, à la fois écrivain, poète, jazzman, particulièrement trompettiste. Et oui, c'est bien un texte de Boris Vian. Il décide de l'enregistrer en 1989 sur l'album Bleu, Blanc, Vert, alors que c'est pourtant une de ses premières compositions, la première chose qu'il ait mise en musique au début des années 70. On écoute ensemble ce titre rendu encore plus fort par l'harmonisation à quatre voix. Je vous propose « Il casse le monde ». Mais ça m'est égal,
une chanson inédite sur un best-of. Eh bien, c'est précisément le cas du prochain morceau. L'album, comme on dit, sorti en 2003, regroupe les meilleures chansons de l'artiste entre 1987 et 2003, plus une. Une chanson splendide qui pose la question de l'avenir pour les générations futures. Jugez-en par vous-même, on écoute. Qu'allons-nous leur laisser ? Maintenant une chanson inattendue, voire lunaire. La vie, l'amour, la mort, le rapprochement et l'éloignement des êtres. Les cycles se croisent, s'entremêlent et tendent l'atmosphère de ce court poème musical, nous entraînant dans les méandres existentiels de Jean-Louis Aubert. Écoutez ça, ça s'appelle L'heure bleue. Allons-nous la vie, la passion, la vie.
Et oui, il est déjà bientôt l'heure de nous quitter. Une heure, ça passe extrêmement vite, mais on se dit ça à chaque fois. Et le dernier titre de cette heure passée ensemble s'impose de lui-même. Beaucoup de gens voient dans cette chanson l'évocation de la rupture avec téléphone, mais Jean-Louis Aubert, lui, évoque plutôt avoir mélangé beaucoup d'impressions différentes liées à ce sentiment particulier de finitude où tu dépasses l'amertume, dit-il lui-même. C'est une chanson au texte à la fois fataliste et pudique qui garde après plusieurs décennies la densité émotionnelle des plus grandes chansons d'amour. On se quitte donc avec « Voilà, c'est fini » et je vous donne rendez-vous le jeudi 11 avril pour un nouveau numéro de Polyphonie. Je vous embrasse et je vous dis au 11 avril, voilà, c'est fini.